Le panel précédent a montré effectivement que Tegnès articulait aussi des choses entre trois pays qui avaient des choses à se dire autour de ces questions techniques, puisque c'est la Suisse, avec Dagra notamment, qui était essentielle dans cette histoire, avec la France et toute l'histoire de Rouge et Ruspoli, etc., qui n'est pas français mais qui vivait en France à ce moment-là. Et le Canada, donc, avec tous les inventeurs du cinéma direct. On voit bien aussi que cette articulation entre trois pays autour d'un projet de recherche et aussi l'articulation autour d'une histoire, voilà, et que cette histoire qu'on essaye de raconter aussi maintenant à travers le cinéma. On a vu qu'effectivement, on a parlé beaucoup de Hatton. C'était un peu l'idée de terminer sur une demi-journée, avec une demi-journée consacrée à Bovialla et à Hatton, puisqu'il y a un programme ou un projet plutôt qui peut-être un jour va devenir un programme consacré à Bovialla, qui s'appelle Boviatech, qui est consacré donc au rapport entre la société de Bovialla à Hatton et la technique. Et donc c'est dans ce cadre-là que ces trois communications étaient d'abord pensées. Et donc ça a été tout à fait pertinent, puisqu'il y a eu d'abord l'héritage, enfin le moment du direct, puis après l'invention de nouvelles caméras 16 mm, et puis ensuite l'objet lui-même, donc qui a été présenté par Denis. Et maintenant, on va parler d'autres objets à Hatton, hein, le 8 mm qui visiblement pose des questions non résolues, et puis la vidéo, puisqu'on va commencer par la paluche avec donc Alexia et Rémi. Donc Alexia Demary, qui est doctorante en études cinématographiques à Paris 3, sous la direction de Kira Kitsopanidou et Guillaume Soulez. Son sujet de thèse porte sur les interactions entre le processus de création des objets techniques et leurs utilisations à travers les cas des premières caméras à Hatton. Donc c'est encore une Hattonienne, pourrait-on dire, puisqu'il y en a plusieurs. Maintenant, il y a Bolex et Hatton, disons, qui forment un peu des teams de Technes. Elle étudie le fonds à Hatton à la Cinémathèque française en tant que chercheur associé. Elle est évidemment incluse dans Technes et elle est évidemment incluse également dans le projet Boviatech. Rémi est chercheur postdoctoral de l'Université de Montréal dans le cadre du partenariat Technes, donc, dont il assure la coordination scientifique, et je peux vous dire que c'est pas rien. Donc, c'est un énorme travail que Rémi fait avec sa gentillesse et une sorte de tranquillité. Et c'est pas toujours facile d'être tranquille avec Monsieur Gaudreau, qui n'est pas loin, hein, donc il faut rester calme et tranquille. Voilà. Donc, merci aussi pour ça, Rémi. Donc, il a soutenu un doctorat à l'EHESS portant sur le film Shoah, donc de Paul Lanzmann, que tout le monde connaît bien entendu, qui vient d'être publié sous le titre Shoah, une double référence, avec un point d'interrogation à la fin. Il est spécialiste des rapports entre histoire, sciences humaines et cinéma à l'époque du numérique, et il est également chargé de cours, je suppose, à Montréal. Donc, c'est de Shoah dont il va être question, puisque c'est du rôle de la paluche, la fameuse petite caméra paluche dans Shoah, qu'ils vont essayer de réinventer, en fait. Revisiter. Voilà. Merci. Merci. Merci Gilles, merci à tous les organisateurs du colloque, merci aux courageux qui sont restés jusqu'à maintenant pour nous écouter. Donc, dans le cadre de l'étude de cas que nous vous proposons aujourd'hui, nous avons essayé d'articuler trois niveaux d'analyse qui devraient nous permettre une remontée en généralité à la fin de notre propos et donc justement d'essayer de dépasser le cas en tant que tel. Il s'est en effet agi de saisir tout à la fois un moment d'innovation technologique mené par Jean-Pierre Boviala au sein de la société Hatton, l'appropriation singulière de cette caméra par l'équipe mobilisée par la réalisation du film Shoah. Donc on reviendra sur les notions de transportabilité, de mobilité qui ont déjà été largement mobilisées tout au long de ce colloque. Et donc, dans troisième notion, l'étude des discours qui ont été portés tout autant sur l'appareil que sur le film. Plus justement, donc, nous souhaitons peut-être pas réinventer, mais repenser ces discours, c'est-à-dire tout à la fois les critiquer ou tout du moins les mettre à distance, à partir donc d'une étude centrée sur l'innovation technique et sur cet usage singulier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous a semblé important de vous diffuser une courte séquence du film, donc un film qui dure 9 h 30, on vous a choisi 2 minutes, sur laquelle va porter notre analyse. Et donc, c'est la première prise de parole d'un persécuteur dans le film. Elle se situe à peu près 2 heures après
le début de Shoah, donc on va la regarder ensemble. On a interrompu donc au début du moment où l'image transmise par la paluche est plein cadre, et donc c'est la prise de parole, enfin, une des prises de parole de Franz Duchemin dans Shoah. Donc si la paluche est utilisée avec trois protagonistes différents dans le film, c'est cette séquence que nous venons de vous diffuser qui est la plus souvent considérée. Nous souhaitons commencer par vous présenter la manière dont elle était l'objet de discours depuis la sortie du film en avril 1985 jusqu'à aujourd'hui. Donc dès 1985, la séquence avec Duchemin joue un rôle important dans les discours publics, dans le discours public qui se construit autour de Shoah. En effet, c'est uniquement un extrait de cette prise de parole qui est diffusé lors des journaux télévisés qui font la promotion de la sortie de Shoah en avril-mai 1985. Cette séquence est aussi reprise dans un sujet du journal de TF1 en 1987. L'historien Pierre Vidal-Naquet, l'auteur des Assassins de la mémoire, fait alors de celle-ci un argument dans la lutte contre le négationnisme. Ce qui est mis de l'avant, c'est le fait qu'un sous-officier de la SS reconnaisse lui-même que le génocide a eu lieu. Cette séquence est donc utilisée à titre de document. Elle s'intègre à une conception du film qui le relie à la pratique de l'histoire orale. Le rôle de la paluche est alors valorisé, mais à titre d'outil technique, dont la fonction est d'avoir permis la réalisation du document. La paluche est présentée comme ce qui a permis la fixation d'une information intelligible sur un support. Donc on pourrait ici insister sur les notions d'authenticité, de fidélité, qui sont des leitmotifs de l'imaginaire de la transparence médiatique, comme elle est étudiée notamment en centre de recherche sur l'intermédialité depuis de nombreuses années. Cette lecture documentarisante n'est pas la seule qui existe à propos de Shoah, évidemment, mais elle a perduré jusqu'à maintenant. Elle est particulièrement liée à ces séquences tournées avec la paluche. Ainsi, c'est cette prise de parole qui a été choisie en 2005 pour présenter le film dans l'exposition permanente du Mémorial de la Shoah à Paris.
Dans le cartel qui accompagne ce qui est en fait un court-métrage de 10 minutes, il est indiqué que le film est également une œuvre artistique, mais que c'est avant tout un travail de journaliste, d'historien et de cinéaste. Dans son commentaire audiovisuel, Lanzmann insiste, lui, sur le fait que c'est un témoignage unique et il ne dit rien du montage. Une même perspective est reprise par Lanzmann dans ses mémoires, le lièvre de Patagonie, et donc on pourrait multiplier les exemples. Ajoutons que la plupart des analyses universitaires s'inscrivent dans cette même perspective. Loin de venir contredire ce discours, elles l'accompagnent. Cela est principalement lié à une question de source. En effet, les chercheurs qui se sont intéressés au rôle de la paluche dans Shoah ont basé leurs propos sur la consultation de cette séquence dans le film et sur les propos du réalisateur. Si l'esthétique spectrale des images a souvent été soulignée, c'est surtout le tournage qui est étudié, en se basant donc sur la séquence que nous avons diffusée et bien souvent en insistant sur la façon dont le film donne à voir ses propres conditions de production. Or, force est de constater que cela est très éloigné de la manière dont le film a été effectivement réalisé. Nous souhaitons, dans le cadre de cette communication, adopter une démarche qui relève donc de l'archéologie des images, en s'éloignant quelque temps des discours qui circulent dans l'espace public et du face-à-face avec les images, pour nous plonger donc dans les archives, dans une démarche comparée, donc les archives à la fois du film Shoah et celle de la compagnie Hatton. Les premières sont accessibles au musée de l'Holocauste à Washington, et donc je leur ai consacré un travail de thèse, et les secondes sont accessibles à la Cinémathèque française, et Alexis travaille sur celle-ci en tant que chercheur associé. Par ailleurs, nous avons pu mener des entretiens, notamment avec Jean-Pierre Boviala et Ziva Postek, la monteuse du film, leurs propos allant parfois à rebours vis-à-vis de ce qui est le plus souvent dit au sujet de Shoah. Alors, Jean-Pierre Boviala imagine au début des années 70 un retour vidéo dont Denis a parlé brièvement tout à l'heure pour son Hatton 7 qui permettra à l'utilisateur de contrôler l'image qu'il est en train de filmer. Remarquant les qualités visuelles de ce retour vidéo, il a alors l'idée d'utiliser la tête vidéo du vidéo assist pour créer une nouvelle caméra à part entière, la Hatton 30, surnommée la paluche, expression empruntée à Jean Rouch. L'idée est alors de créer une caméra singulière qui sera la première et la seule caméra vidéo commercialisée par l'entreprise Hatton. Hatton est réputée pour ses innovations technologiques qui ont permis de créer des appareils de prise de vue légers, silencieux et ergonomiques. La fameuse forme de chat sur l'épaule dont on a déjà parlé tout à l'heure en a fait sa renommée. Face aux caméras en 16, Super 16 et 35 mm qui reprennent toutes les mêmes modèles, le même modèle ergonomique, à l'exception de la Minima qui ne se tient pas sur l'épaule mais qui vient de se loger dans le creux de la main, la paluche fait figure d'exception. Elle ne ressemble en rien aux caméras de l'époque. Une tête cylindrique est reliée à un attirail plus ou moins important selon les attentes de son utilisateur. Ainsi, à sa sortie, on comparera volontiers ce nouvel outil à une lampe torche ou un micro. Je cite, « Elle peut être manipulée comme un microphone à bout de bras. » Voilà ce que l'on peut lire dans une notice à Hatton 30. Ce point d'ailleurs essentiel pour Shoah, comme nous le verrons dans la suite de cette présentation. Jean Dreyfieschi dit, lui, de la paluche qu'elle est, je cite, « un œil au bout des doigts ». Lorsque Jean-Pierre Boviala conçoit cette nouvelle caméra, il va imaginer une pratique artistique différente qui lui serait associée, en rupture avec les usages de l'époque. Le regard n'est plus dirigé par l'épaule, mais par la main de l'opérateur. Et si, aujourd'hui, avec l'émergence des smartphones par exemple, cette pratique nous semble familière, elle offre un point de vue alors nouveau dans les années 70. Ainsi, les vidéastes qui se sont essayés à cette pratique devaient s'exercer avant de pouvoir manier l'outil aisément, notamment pour garder les horizontales. La grande mobilité offerte par cette tête vidéo permet à l'opérateur de trouver de nouveaux angles de prise de vue, de se rapprocher des corps, de changer le rapport entre le vidéaste et la personne observée. Comme l'explique Anne-Marie Duguet, je cite, « La caméra ne se tenant plus devant l'œil libère le regard de celui qui filme et permet d'engager d'autres relations avec ceux qui sont filmés. » Fin de la citation. Malgré cette apparente mobilité, les accessoires indispensables au bon fonctionnement de cette caméra, qui pouvaient être placés sur une ceinture portée par l'opérateur, étaient lourds et encombrants, mais, je cite, «
Un individu pas trop chétif la transporte sans peine, nous dit Éric Méhoff dans un article paru dans Paris Match. Pour l'époque, cette caméra reste néanmoins de petite taille. Donc Jean-Pierre Boviala, dans un entretien mené avec lui en septembre dernier, explique que cette évolution technologique est le fruit du travail de Jean-Pierre Charras, qui est alors ingénieur en électronique chez Hatton, et qui, par des astuces électroniques, a su créer des circuits électriques beaucoup moins encombrants que ce qu'on trouvait à l'époque. La qualité de l'image offerte par cet appareil permet d'obtenir des contrastes noir et blanc de bonne qualité. Et cette qualité vient essentiellement des tubes qui sont fabriqués par d'autres entreprises et non par Atom, comme Toshiba ou encore Hitachi. La définition et la sensibilité de cette caméra permet de tourner dans des conditions variées, même avec peu de lumière ou à contre-jour, ce qui permettait aux opérateurs de faire face à de nombreux cas de figure. Mais le réglage de la caméra, avant l'utilisation, était assez minutieux. Vous avez ici le début de la notice de l'étalonnage de la caméra. Pour ce qui est de l'image que l'on voit dans Shoah, la barre noire que l'on voit apparaître ici à l'écran vient du fait que c'est un moniteur vidéo en fait, qui a été filmé en 16 mm et on voit alors apparaître cet effet de flicker, mais ça ne vient pas de la qualité d'enregistrement initiale de la paluche, mais bien de ce réenregistrement. Alors, je vais désormais présenter les différents éléments qui constituent la paluche. Plusieurs combinaisons sont possibles en fonction de l'utilisation que l'on souhaite faire et du budget de l'équipe de tournage, bien entendu. Alors déjà, premièrement, la tête vidéo, donc vous avez vu quelques images tout à l'heure, qui pesait à peu près 300 grammes, qui est bien sûr l'élément principal de la paluche. Il y avait 5 têtes qui étaient disponibles et elles proposaient toutes des spécificités différentes. À ceci s'associe une unité de contrôle que vous voyez à l'écran, qui pesait à peu près 700 grammes, et là aussi, il y avait plusieurs sortes qui étaient disponibles en fonction des besoins de l'équipe de tournage. Elle est reliée à la tête par un câble qui pouvait aller jusqu'à 3 mètres de long, et cette unité doit être alimentée par une batterie de 12 volts, donc soit grâce à un magnétoscope, soit grâce à une batterie de 12 volts. C'est elle qui permet d'effectuer les réglages pour s'assurer du bon fonctionnement de la caméra, réglage du focus, contraste, etc. Alors, je vais vous présenter maintenant plusieurs combinaisons possibles pour la paluche. Donc, vous voyez ici à l'écran donc, le premier schéma en haut qui montre le branchement de la paluche avec une alimentation par batterie de 12 volts. Nous voyons également que cette configuration est pourvue d'un retour vidéo. Alors, Hatton propose ce que Boviala a judicieusement nommé un « quoi ». Moniteur vidéo qui permet à l'utilisateur de vérifier le cadre de l'image qu'il est en train d'enregistrer en direct, ce qui faisait à peu près dans les 800 grammes. Et le deuxième schéma, donc en bas, vous montre l'utilisation d'une paluche avec une alimentation par magnétoscope, qui rendait le tout beaucoup plus encombrant et beaucoup plus lourd, sachant qu'un magnétoscope faisait entre 6 et 7 kg. Si le magnétoscope n'était pas branché directement à la paluche, vous pouviez brancher un émetteur UHF qui permettait de transférer le signal vidéo en modulation de fréquence UHF vers un récepteur qui pouvait être situé dans un camion régie jusqu'à 100 mètres de distance de la caméra. Alors le schéma que vous voyez à l'écran montre une unité de contrôle et son émetteur. Alors il s'agit du seul schéma que j'ai trouvé dans les archives. Ici c'est branché avec une Hatton 7 comme on le voit, mais ça peut être aussi utilisé pour la paluche. Alors Jean-Pierre Boviala m'a dit que ce schéma était partiellement erroné, puisque la taille de l'émetteur, normalement, faisait la même taille que l'unité de contrôle en longueur et en largeur, ce qui n'est pas le cas sur ce schéma. Dans tous les cas, l'image est enregistrée au format vidéo sur un magnétoscope 3 quarts de pouce, format U-matic, qui existait à l'époque. Nous verrons plus tard les choix techniques qui ont été faits par les différents chefs opérateurs lors de l'utilisation de cet appareil dans Shoah. Donc si on revient à présent au film, il nous faut considérer les débuts du processus de réalisation, soit l'année 1974. Claude Lanzmann est alors à Yad Vashem, où il mène des recherches documentaires sur le génocide, pour ce qui est alors un film de commande de la part de l'État israélien. Il consulte l'historiographie et prend assez rapidement connaissance de l'ouvrage clé de Raoul Hilberg, « La destruction des Juifs d'Europe ». Celui-ci est rédigé à partir de documents, principalement issu de l'administration du Reich, et donc qui date de 1933 à 1945.
De manière générale, Hilberg ne fait pas grand cas des sources orales, soit des propos tenus par les acteurs de l'histoire après 1945. Par contre, il nomme les individus qui ont mis en place le génocide en s'intéressant non seulement à ceux qui l'ont pensé et dirigé, mais aussi à ceux qui l'ont exécuté. Lanzmann décide dès ce moment-là qu'il va intégrer leur voix au film. Il n'y aura donc pas seulement des juifs persécutés, mais aussi leurs persécuteurs. Le réalisateur dresse alors une liste d'une cinquantaine de noms et il engage en 1975 un assistant qui se rend en Allemagne pour retrouver leurs traces. Quand les coordonnées de l'un d'entre eux étaient identifiées, Lanzmann lui téléphonait ou un membre de l'équipe se rendait à son domicile afin de lui expliquer le projet. À la double exception de Perry Bode et de Franz Schommel, aucune suite n'a été donnée à ces prises de contact. Alors que le premier a refusé d'être enregistré, le second a accepté un enregistrement sonore en échange d'une somme importante d'argent. Donc Lanzmann parle de 500 Deutschmark de l'époque, 2000 euros aujourd'hui. En mars 1976, l'entretien a été mené en une journée à Braunau-sur-Inn, en Autriche. Le réalisateur pensait alors devoir se contenter d'un enregistrement sonore, mais William Lutchansky lui a proposé donc une solution technique, la paluche. Son caractère portable et l'absence de bruit produit par celle-ci ont permis la mise en place d'un dispositif autant ingénieux qu'éthiquement problématique. Le Nagra, qui était prévu pour enregistrer la conversation, a été placé dans un sac qui contenait également le magnétoscope et l'unité de contrôle QUA. La présence de celle-ci permettait un retour image en temps réel par l'opérateur qui pouvait la consulter grâce à une ouverture située à l'arrière du sac. Il va sans dire que Lubchansky avait été présenté comme un ingénieur du son et non comme un opérateur. La tête vidéo était présentée comme un micro avec une bonnette que Lubchansky manipulait. Il filmait ainsi tout à la fois Lanzmann, Schommel et le plan de Treblinka qui complétait le dispositif. Ce tournage a été un succès dans la mesure où 4h30 d'entretien ont pu être filmés, mais celui-ci n'a été possible que parce que Schommel avait accepté la présence d'un agra dans la pièce et car il n'a pas pris conscience du subterfuge. Il faut dire donc qu'en 1976, la paluche n'était pas connue du grand public et l'usage d'une caméra cachée est fortement improbable. De plus, cet attirail qui était posé sur une table devait peser une dizaine de kilos et donc on est loin de l'image de la paluche mobile et libératrice du regard. Enfin, notons que ce type de captation ne pouvait pas être reproduite dans Shoah car rien ne justifiait la présence d'un ingénieur du son quand le protagoniste n'avait pas accepté d'être enregistré. Après ce premier entretien, l'équipe a adopté une nouvelle stratégie afin de pouvoir mener des entretiens avec les persécuteurs. Lanzmann s'est présenté comme un historien favorable à une revalorisation de leur rôle dans l'histoire. Il s'est aussi dit prêt à les payer et que, dans tous les cas, rien de leurs échanges ne serait diffusé à court terme. Il a envoyé une trentaine de lettres pour lesquelles il a reçu 10 réponses, dont 5 positives. L'entretien avec Walter Stier, qui a été monté dans Shoah, a été réalisé à ce moment-là, tout comme des entretiens avec Franz Schelling, Hans Goeweck, Hans Schubert. On voit ainsi dans les archives du film une entrée au domicile de Schubert, qui est filmée depuis le sac à main de Corinna Kulmaz, dont on va vous diffuser donc un extrait en même temps que je continue mon propos. Lors de ce dernier entretien, la présence du van a été signalée à la famille de Schubert. Lanzmann et son assistante ont dû partir précipitamment alors qu'ils étaient menacés physiquement. Donc cet épisode longuement raconté par le réalisateur se trouve corroboré par l'enregistrement audiovisuel disponible au mémorial de l'Holocauste à Washington. Et donc c'est cet événement qui a mis fin à l'usage de la paluche. Donc on entend ce que Lanzmann dit à ceux qui sont dans le van. Hein. Ce qu'il s'agit de retenir, c'est que la plupart des interviews tournées pour Shoah n'ont pas été réalisées de la même manière que celle avec Schommel. Cachée dans un sac lors des interviews par l'assistante du réalisateur Corinna Kulmaz,
Elle finit la scène sans que les persécuteurs puissent s'en douter. Les autres protagonistes ayant refusé d'être enregistrés, Dominique Chapuis va avoir l'idée d'utiliser l'émetteur afin de se délester du magnétoscope qu'il aurait été de toute manière impossible de dissimuler. Seule la tête vidéo, l'unité de contrôle, la batterie et l'émetteur vont être glissés dans le sac de l'assistante. Le quoi n'aurait, semble-t-il, pas été utilisé, cependant rien ne nous permet d'affirmer ceci avec certitude. Pour ces entretiens, le micro interne à niveau automatique de la paluche aurait été utilisé, avec un contrôle au casque dans le camion régie, comme on peut l'apercevoir ici sur cette image. Dans les archives, on entend d'ailleurs à plusieurs reprises Lanceman adresser des messages aux techniciens qui sont restés dans le camion régie. Dans le cas de l'entretien avec Perry Broad, pour dissimuler la caméra, des documents auraient été placés dans le sac avec la paluche. Cela a conduit à un incident technique, la caméra aurait surchauffé, ce qui a mis fin précipitamment à l'entretien et a conduit à l'achat d'une deuxième paluche. Avec ce nouveau dispositif, il fallait alors que le camion régie soit situé à moins de 100 mètres de l'endroit où se trouvait la tête de la caméra. Ce van, qui sert de camion régie, est donc systématiquement garé à côté de là où se déroule l'entretien. Nous avons vu ce dispositif dans la séquence que nous vous avons diffusée tout à l'heure. On nous montre l'extérieur, mais également l'intérieur du camion, offrant aux spectateurs la possibilité de découvrir la technique employée pour tourner ces plans en caméra cachée. Nous voyons alors les deux techniciens qui vérifient la bonne réception du signal vidéo sur un moniteur quad. En fait, ces séquences que l'on voit du camion régie ont été recréées après les interviews. Il aurait été impossible pour un caméraman de tourner ces séquences dans le van, fermé pour ne pas que l'équipe puisse être découverte par les passants, à cause du manque de lumière et du manque de recul, évidemment. On voit sur cette image que la porte du van est ouverte, d'ailleurs, sur ces archives qu'on vous montre à l'écran. Donc, toutes ces séquences ont donc été rejouées pour dévoiler le système technique utilisé pour réaliser ces séquences. Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a bien eu deux dispositifs techniques différents qui ont été utilisés. Ils ne sont pas strictement successifs, car l'entretien avec Stier a été tourné avec le même dispositif que celui avec Suchomel. Il est difficile d'être plus précis sur ces points, car nous n'avons accès qu'aux sources visuelles restaurées par le musée de l'Holocauste. Elles ne suffisent pas toujours à pouvoir mener une démonstration complète. Par contre, on peut identifier un paradoxe apparent entre la façon dont nous avons présenté les choses et l'intégration du dispositif dans le film Shoah. En effet, dans l'extrait du film que nous avons diffusé au début de notre intervention, l'entretien avec Suchomel est présenté comme ayant été réalisé avec le second dispositif. Pour le dire plus simplement, dans le film, il apparaît clairement que l'entretien était réalisé avec une transmission depuis l'intérieur de la pièce vers le van. Cela repose en fait sur un effet documentaire qui est produit lors du montage. Pour le dire encore plus clairement, donc, il n'y a jamais eu de van stationné devant le lieu où Suchomel a été filmé. Les plans des techniciens dans le van qui sont montés dans Shoah ont été tournés en lien avec l'entretien avec Perry Broad, comme on vient de le dire. Dans l'extrait de Shoah, l'image n'est jamais suffisamment fixe pour que l'on voie le visage des protagonistes, puis il y a une coupe et le plan est monté plein cadre. C'est seulement à ce moment-là que l'on voit Lanceman et Suchomel. Dans le document archivé, le réglage conduit à ce que l'on voit le visage de Perry Broad. Cependant, comme l'a dit Alexia, la séquence n'est pas tournée en direct lors de l'entretien avec Perry Broad, mais a posteriori afin de réaliser des plans de coupe qui sont explicitement pensés par le montage, comme le disent les techniciens. Cela signifie aussi qu'il n'y a eu aucun réglage technique qui est en train d'être mené au début de l'entretien avec Suchomel. L'image est stable à ce moment-là, donc on le voit dans l'extrait de l'entretien d'origine qui correspond au début donc, de l'entretien. Par ailleurs, ce que l'on entend doit aussi être pris en compte. Les interventions du réalisateur quand il parle en français, en allemand, pardon, et ses, pardon, quand il parle en français et ses hésitations en allemand ont été coupées au montage. Durant cet extrait de 4 minutes, la continuité de l'entretien d'origine a globalement été respectée, mais ce n'est pas le cas tout au long du film. Des termes prononcés à différents moments de l'entretien d'origine sont assemblés sans respecter le rythme ni l'ordre de l'entretien. Donc pour ma thèse, j'ai mené ce travail d'identification des coupes et des raccords sur l'ensemble du film. Concernant cet entretien,
En particulier, il a donné lieu en 2015 à un travail à part entière mené par Erin McLaughlin et ses étudiants. Et ils ont bien rendu visible le fait que l'entretien n'est pas monté dans sa continuité. Donc il y a 163 segments de l'entretien d'origine qui sont montés pour arriver aux 40 minutes qui sont intégrées dans le film. Et donc on voit bien entre la ligne 2 et la ligne 3 que l'ordre n'est pas maintenu d'une séquence à l'autre, mais surtout au sein même d'une séquence. Ce cas n'est pas une exception dans Shoah, il s'agit plutôt de la règle. De ces gestes, donc nous avons des traces dans les transcriptions utilisées pour le montage. Là, je n'ai pas le temps de développer ça. Par ailleurs, Ziva Postek, la monteuse de Shoah, m'a expliqué lors de plusieurs entretiens qu'elle a fait de la dentelle. Concernant ce passage, concernant ce passage en particulier, la monteuse explique, évidemment, il y a eu plusieurs méthodes de tournage, mais dans le film, il y a une méthode de filmage, au montage, je veux dire. Pour faciliter la compréhension du public, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même méthode que celle de Lanzmann avait pris pour les autres nazis qu'il avait filmés. Ces choix sont donc guidés par une volonté de donner une plus grande cohérence au montage. Il n'était pas question pour elle de donner à voir la multiplicité des manières de filmer les persécuteurs avec la paluche. Au contraire, le montage cherchait à créer une impression d'unité. Il fallait sur ce point simplifier les choses afin de donner de la lisibilité. Alors au final, que peut-on ressortir d'une telle analyse génétique qui court le risque d'être peut-être trop pointilleuse pour ce type de présentation? Nous croyons qu'il faut revenir à l'analyse des discours portant sur le film et les mettre en regard avec la pratique du tournage et du montage de Shoah. Ce qui ressort de notre analyse, c'est un écart entre la manière dont le film a été conçu et la manière dont il est perçu. Un tel écart n'a rien de spécifique au film de Shoah, de Lanzmann, pardon. Un film connaît des appropriations dans l'espace public qui tendent forcément à l'éloigner de la manière dont il a été conçu. Dans ce cas, une lecture de la séquence comme document, forcément fidèle au tournage, a rendu incompréhensible le fait que le film est un documentaire au sens d'un travail de création de la part d'une équipe et que ce travail conduit justement à un éloignement vis-à-vis de la manière dont le film a été tourné. Donc je le rappelle une dernière fois, l'extrait tel que monté dans le film correspond à un dispositif qui n'a jamais eu lieu et les mots prononcés ne l'ont pas été dans cet ordre, ni avec ce rythme, ni parfois avec cette signification à l'origine. Ce travail d'archéologie de l'image permet de rendre quelque chose de l'ordre de l'opacité médiatique et de cette complexité inhérente au processus de réalisation du film. Au-delà de ce travail qui relève du domaine de la génétique cinématographique et d'une analyse critique des discours portant sur le film, il est important de conclure sur la perception que cela induit de la technique en général et de la paluche en particulier. En fait, la grande absente du film et des discours sur le film, c'est la complexité liée à la technique. Cette séquence est très souvent présentée comme une prouesse technique, cependant, l'existence de plusieurs dispositifs techniques n'est jamais soulignée. De plus, on constate que la volonté d'uniformiser et de simplifier la présentation de la paluche a conduit à minimiser son caractère mobile. Comme le dispositif est fixe dans le cas de Suchomel, le dispositif va rester fixe tout au long des différents autres extraits d'entretien montrés dans le film. Pour le dire autrement, le choix de montrer l'entretien avec Suchomel en premier a conduit à ce que la paluche ne soit jamais montrée en mouvement. Par exemple, un plan comme l'entrée au domicile de Schubert, que nous avons regardé ensemble, n'a pas été monté. La paluche dans Shoah est ainsi montrée comme un dispositif portable, au sens où il peut être caché et entrer au domicile des persécuteurs. Mais ce n'est pas un dispositif mobile au sens où il permet de filmer en se déplaçant. Il s'agit de remarquer que cet usage est très éloigné de celui qui avait été anticipé par Jean-Pierre Boviala. Lanzmann et son équipe s'approprient l'objet et se servent des caractéristiques techniques qui l'intéressent pour produire quelque chose de différent vis-à-vis de ce qui avait été anticipé. Pour le dire plus clairement, la paluche est alors un outil mis au service de la réalisation de ce qui sera perçu comme un document, alors que Boviala l'avait pensé comme une innovation au service de l'art vidéo. Ainsi, au final, l'utilisation de la paluche dans Shoah nous montre comment un objet peut être utilisé différemment de sa fonction première. Comme Boviala le dit avec une pointe de regret,
on ne contrôle malheureusement pas le devenir de son outil. Cet usage singulier, bien que non isolé de la baluche, s'est imposé dans l'imaginaire de l'appareil, si bien que celui-ci est aujourd'hui plus perçu comme étant transportable au sens où il peut être déplacé, que véritablement mobile au sens où il serait devenu une forme de continuation de la main. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci pour ces deux communications passionnantes. La seconde me rappelait les interviews que j'ai pu mener avec Rouch et Leacock. Et dans ce que vous avez exposé, je retrouve, en fait, il me semble retrouver exactement le réflexe qui a toujours été celui de Rouch et de Leacock vis-à-vis de la question de la synchronisation. Et ça peut se résumer assez simplement à Rouch, je mets un câble. Et ce n'est pas forcément la question du double single system. Je pense que je mets un câble où la solution beaucoup plus sophistiquée, vraiment beaucoup plus sophistiquée, du coq, je vais faire de la synchronisation avec moi. J'ai l'impression, quand même, ce qu'on voit dans l'histoire que vous racontez, on a l'impression qu'on est quand même toujours dans la même histoire. C'est plus un commentaire qu'une question. L'autre question que j'avais par rapport à la première communication, que j'ai beaucoup apprécié, qui a ouvert encore des finesses par rapport aux travaux qui ont pu être réalisés sur la question de la synchronisation du son dans le Shoah. C'est plus une question générale. J'étais étonné un petit peu de l'horizon de la conclusion, en disant on voit bien qu'il y a un décalage entre la façon dont la caméra, la paluche a été utilisée, la façon dont elle est montrée avoir été utilisée, ça c'est et les attentes du constructeur. Et je me disais, est-ce que c'est le bon argument? Il me semble que l'argument le plus intéressant, c'est celui de la transparence médiatique ou médiologique qui est proposée par le discours qui entoure le film de Shoah. Par contre, l'horizon d'attente du constructeur dans l'histoire de la technologie, je dirais que ça a toujours été négligeable. L'histoire de la technologie nous apprend que les usages en fait, se développent relativement indépendamment et parfois à contre-courant de ce pourquoi ils avaient été faits. Donc, il me semble que ce n'était pas un argument, les deux arguments que vous avez employés sur la conclusion n'étaient pas au même niveau. Je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est l'idée, c'est qu'on a essayé de mener, y compris dans nos prises de parole alternées, jusqu'au bout, l'idée d'une étude comparée entre Hatton et Shoah, et aussi, du coup, des deux personnalités qui sont derrière ces deux, ce film et cette marque, donc Lanzmann et Jean-Pierre Boviala, avec cette idée que, effectivement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est cette question de la transparence médiatique et donc de réintégrer de l'opacité et y compris, vous comprenez bien que ce n'est pas le cas de le petit cas qu'on développe, mais l'idée, c'est qu'à travers ce cas-là, on permet de faire émerger un écart, en fait, entre la conception du film et sa perception dans l'espace public, et donc de l'inverser et de faire apparaître surtout le discours dans l'espace public en tant que discours, hein, parce que ce n'est pas seulement l'idée de venir contredire un peu, comme l'historien acharné le ferait, mais que c'est aussi une réflexion sur ce qui a été dit de ce film, plus que sur la manière dont il a été fait, y compris il faudrait être plus fin que ce qu'on a eu le temps de faire en disant que et Lanzmann et Ziva Postek n'ont pas toujours tenu ce discours de la transparence, qu'entre 85 et 87 ils ont tenu d'autres propos, et puis qu'après ça a été progressivement ça s'est un peu durci et simplifié, et en même temps parce qu'il y a Boviala, c'était aussi très important de mener la démonstration jusqu'au bout de l'autre côté. Il nous a semblé
Et y compris dans les communications qui ont précédé, il y avait cette idée de comment est-ce que Hatton est aussi pris dans un discours qui est le discours de son fondateur, dont il y a une difficulté à s'en émanciper. Et de la même manière que les usages réels de Shoah sont difficiles à percevoir, les usages réels des caméras Hatton sont parfois difficiles à percevoir parce qu'ils sont pris les deux dans un imaginaire qui est construit par des acteurs sociaux qui ont pris des places prépondérantes dans l'espace. Un peu de non, je pense que tout a été dit et c'est intéressant de voir les décalages qui sont faits à chaque fois entre les attentes de Jean-Pierre Boviala et vraiment ce qui a été fait avec ces objets, comme il a beaucoup travaillé avec Jean Rouge pour le cinéma direct, et au final, c'est des caméras qui ont souvent été utilisées par les chaînes de télévision, donc très fixe et pas du tout dans qui sont pas du tout l'idée enfin qui elles n'ont pas été utilisées par rapport à ce que Jean-Pierre attendait au début. Bon, après pour des questions aussi économiques, parce qu'il faut pas oublier que c'est une entreprise, mais et la paluche, ça a vraiment été il avait une idée très particulière de son utilisation et qui a quasiment pas été il y a un ou deux films qui se sont servis de la paluche vraiment comme un objet mobile et singulier. Mais sinon, ça a toujours été... il y a beaucoup d'exemples de fixité qui sont en décalage total avec l'idée du créateur. Ce qui est intéressant aussi par les archives du film, c'est qu'on voit même un processus de fixation de la paluche. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a essayé de montrer avec les deux exemples. L'entrée chez Hans Schubert qui n'a pas pu... qui n'était pas montable dans la mesure où l'entretien avec Suchomel et lui filmé avec l'autre dispositif. Et donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas eu d'entrée au domicile de Schubert ou d'entrée dans cette pièce, parce que le dispositif d'une dizaine de kilos avait été posé, testé pendant deux jours avant que Suchomel lui rentre dans la pièce. Et donc ces choix-là qui se font en fait au montage, hein, donc début des années 80, alors que donc c'est tourné en 76 pour l'entretien avec Suchomel, figer l'usage de la paluche et l'éloigner aussi de l'usage qui avait été anticipé par Boviala. On va oublier aussi que Rouch est lui-même potentiellement cinéaste, c'est-à-dire on le voit quand il teste ses propres appareils. Il est lui-même, Boviala, pardon. Il est lui-même constamment, il se met en scène comme cinéaste en fait. Et donc il y a plusieurs imaginaires chez Boviala qui sont intéressants, et c'est pour ça que le cas Boviala est intéressant. C'est-à-dire qu'il est à la fois ingénieur, cinéphile, et une cinéphilie très orientée vers le direct, et à la fois potentiellement cinéaste. Et donc toute cette triple identité fait de lui un acteur très singulier de l'histoire des techniques. C'est pour ça aussi que ces archives sont très intéressantes pour ça, et son travail avec des cinéastes est très intéressant pour ça. Et je pense que cette triple identité tout à fait et corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il se rêve en cinéaste dans un certain type de cinéma, donc il rêve ses appareils dans ce type de cinéma-là, et à la fois sans contradiction avec l'industrie, puisqu'au bout d'un moment, il y avait, je ne sais pas, 70 ou 80 employés, et quand on a autant de personnes à nourrir et à faire travailler, on ne peut pas se contenter de faire des caméras Super 8. Enfin, et donc, il est dans l'industrie lui-même. Alors, on sent quand on discute avec lui, effectivement, une vraie contradiction, une sorte de douleur même de cette impossibilité, voilà, qu'il a lui-même expérimenté en permanence. Voilà. Well, en fait, vous avez en partie répondu, mais juste pour ouvrir, en fait, c'est pas vraiment une question peut-être à laquelle on peut répondre maintenant. Mais c'est sur les applications de la paluche en termes de mise en scène dans le cadre du documentaire. C'est-à-dire, effectivement, on vous dit, bon, bah, ça a été utilisé plutôt pour d'autres usages. Mais là, on est dans une situation très spécifique à laquelle on n'est pas si souvent confronté en termes de mise en scène documentaire. C'est celle de filmer l'ennemi et qui pose des problèmes très différents en termes éthiques et de relations filmeur-filmé que celles qu'on se pose habituellement. Et donc, ça vient répondre à cette configuration particulière. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences documentaires de l'ordre de l'esthétique documentaire et qu'est-ce que ça produit, la paluche, comme interaction, comme
comportement du filmeur, etc. C'est, en fait, j'ignore ça vraiment. Pour l'usage de la paluche, pour le documentaire, moi j'ai vu pas mal de documentaires qui sont assez fixes et au final assez traditionnels. Par contre, il y a alors le film, Jean-Pierre Boviala dit que c'est vraiment l'usage idéal de la paluche, c'est Urban Saxe, qui a été projeté d'ailleurs à Rennes 2 il y a quelques mois. Alors c'est pas un film documentaire, c'est vraiment pour le coup fictionnel, enfin c'est même presque expérimental, où on voit vraiment la paluche déambuler avec des plans des plans au sol, très proches des jambes, des gens que de la salle va croiser. C'est vraiment, je pense, le meilleur exemple de l'utilisation de la paluche comme Jean-Pierre Boviala l'avait pensé. J'ai juste dans le deuxième extrait que vous avez montré qui vient des archives. Ouais. Donc la paluche est sur trépied. Elle est posée. Elle est posée. Mais à un moment, il fait un panoramique vers la carte de Treblinka. Et puis là, en fait, sur le moment, je me suis dit, en fait, cette fixité, d'abord, elle construit la fixité, puis même le rendu vidéo vraiment ostentatoire. Construit une position de spectateur, on voit qu'effectivement on est face à des images de l'ennemi parce que ça a été contourné. Et puis là, il y a tout à coup une prise de risque, quoi. On se dit, mais il va se faire repérer s'il bouge. Puis en plus, on ne peut pas tourner un micro vers une carte. On va attendre le son que la carte est. C'est ça. Donc là, tu te dis. C'est vrai que c'est. Moi, dans le. Et y compris, là, il y a des choses. Ça fait quand même un moment que je travaille sur ce sujet. Mais il y a des choses que j'ai comprises en travaillant avec Alexia, parce que moi j'avais notamment des hypothèses sur est-ce que c'est au moment où il refilme en fait parce que aussi ça a mis longtemps pour que ces extraits-là soient restaurés par le musée de l'Holocauste à Washington, parce qu'ils n'ont pas forcément priorisé les persécuteurs dans leur restauration. Dans tous les cas, moi mes premières hypothèses c'était est-ce que c'est au moment où ils ont refilmé en 16 que là ils font un mouvement de caméra, et puis on a l'impression que le mouvement de caméra en fait est fait en 76 et en fait c'est recréé a posteriori. Intuition fausse, puisque donc c'est bien Lubchansky qui est dans la pièce avec Suchomel. Donc c'est le seul pour lequel il y a ce type de mouvement de. Enfin, c'est l'un des seuls pour lesquels il y a ce type de mouvement de caméra qui sont des mouvements intentionnels. Parfois, Corinna Koolmaas déplace, elle, le sac, puis on a quand même des petits mouvements. Et puis, il y a d'autres entretiens qui ont été tournés avec le même dispositif, donc c'est plus complexe que ça. Et dans tous les cas, effectivement, là, il déplace ce qui est perçu comme un micro. Et Lanzmann, donc on est toujours dans les discours, dit qu'il y avait un ray de lumière, donc il avait peur que Suchomel se rende compte qu'il y avait une lentille. Voilà. Donc ça n'a pas été le cas. Et il faut aussi dire que c'est au tout début de l'entretien avec Suchomel qu'on a ce plan large, et puis qu'après, il va aller sur le visage de Suchomel et plutôt tenir le visage, puis dans ce cas-là il y a des mouvements toujours avec la carte qui apparaît dans ce cas-là en gros plan, et ça de la même manière, moi je me demandais est-ce que c'était au refilmage qu'ils avaient centré sur le visage, alors que c'est pas le cas.